cette foule en liesse est allemand. Paradoxalement, l'Allemagne, elle aussi, célèbre l'armistice. La révélation, c'est cette image-là. Car ceux que vous voyez là, qui sont aussi contents, aussi heureux, et qui fêtent quoi? Ce sont les Allemands. Autrement dit, ces Allemands croient qu'ils ont gagné la guerre. Et ça, c'est des images choc. On ne les avait jamais vues. Elles révèlent le malentendu fantastique du 11 novembre 1918. On comprend qu'après coup, avec le traité de Versailles, quand les Allemands vont apprendre ce qu'ils vont perdre, ils vont être haineux vis-à-vis des alliés, vis-à-vis des vainqueurs, puisqu'ils se croyaient vainqueurs. Et ça, on ne l'avait jamais vu en image. C'est une vraie révélation. En 1973, vous avez tourné un film « Comment l'Allemagne est devenue nazie ». Pour quelle raison avez-vous choisi ce thème ? Bien, parce que quelle est la question que peut se poser un Français, et pas seulement d'ailleurs un Français, durant ces années-là, c'est comment un peuple, une nation comme la nation allemande, si cultivée, si avancée, la plus développée peut-être du monde, a-t-elle pu être à l'origine d'un crime aussi extravagant, aussi étonnant que le génocide ? Alors, avec une étudiante allemande, on a fait une enquête en Allemagne et on a cherché des documents, on a fait un film qui déjà nous présente quelques aspects totalement insolites et nous répondent et répondent à notre question. Par exemple, un document de 1928 ou 29 où on voit une cérémonie, une fête plutôt nazie à Nuremberg et où on voit que pour les Allemands, avec Hitler, la politique c'est la fête. Ce n'est pas du tout le défilé militaire, que ce sera d'ailleurs plus tard. Et ça, c'est une des données du succès des nazis, à une époque où les communistes, les socialistes se battaient entre eux dans les rues. Mais en 1933, nous assistons à une militarisation et une autre forme de fête. Est-ce que vous l'avez montré dans votre document ? Bien entendu. Seulement, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment les Allemands étaient devenus nazis, par quel cheminement. Alors, la fête, c'est un élément. À un autre moment, on voit comment les riches et les pauvres mangent tous à la même table. C'est-à-dire que tandis que les socialistes, les communistes font des discours sur l'égalité, le socialisme, etc., les nazis, eux, mettaient à la même table des bourgeois appauvris, des ouvriers qui n'avaient pas de boulot, et des jeunes. Et ce fait de manger à la même table, à midi, était déjà un signe d'une action réelle, immédiate, concrète, pas des phrases. Et c'est justement parce que Hitler a su séduire de cette façon, que tout le monde l'a suivi comme un seul homme et qu'il a remporté beaucoup de succès, surtout au début de son règne.